La Côte d'Ivoire et le Royaume du Cambodge, deux pays amis, deux pays frères, deux pays désormais partenaires. C'est en tout cas la mission que se sont assignés les parlements de Côte d'Ivoire et du Cambodge. En novembre dernier, Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, était au Cambodge. Ce vendredi, c'est Chakri Nsamrin, le président du parlement cambodgien, qui effectue le déplacement d'Abidjan. Un ballet des deux chefs de parlement pour sceller l'union, la coopération entre les deux États. Malgré la distance géographique qui nous sépare, nos deux pays partagent des points communs. D'abord, en ce qui concerne notre passé colonial, notre indépendance dans les années 50 et 60, et aussi notre appartenance à la francophonie. Et notre visite aujourd'hui fait suite à une invitation de la part de délégation parlementaire ivoirienne et dans le but de resserrer, réaffirmer les liens de coopération entre nos deux pays. Séance de travail, signature de protocole de partenariat, audience avec le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et rencontre avec différents ministres du gouvernement. Voilà entre autres le programme du séjour en terre ivoirienne de Chakri Nsamrin. La délégation cambodgienne est en Côte d'Ivoire jusqu'au dimanche prochain, 9 mars 2014.